Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait extrêmement plaisir de pouvoir rejouer sur Scrap Mécanique, un jeu que j'ai pas encore réalisé sur la chaîne, mais un jeu que j'apprécie comme Minecraft, parce qu'il mélange la réflexion, le cube de Minecraft, les cubes de Minecraft, plein de petits trucs Minecraft, avec la technique en plus. Alors aujourd'hui, on va s'amuser à faire les challenges de Scrap Mécanique, mais juste avant, place à l'intro. Alors, les amis, je vous explique, aujourd'hui, on va faire les challenges. J'ai déjà réalisé, les challenges il y a maintenant un an. Je les ai réalisés aussi, puisque juste un tout petit peu avant, parce que, comment vous dire qu'il a fallu tourner la vidéo un moment, et je me suis rendu compte qu'il y a eu deux problèmes. De un, mes véhicules étaient déjà faits, étant donné que je les avais déjà faits, puisque j'ai déjà réalisé le challenge. Et seconde chose, j'ai remarqué aussi que si je reset les maps, je peux pas, j'y retourne, mais mes véhicules, ils sont toujours. Donc, ne faites pas attention. Voilà, petit conseil, ne faites pas attention à ça. Voilà, à chaque fois je vais devoir faire restart, yes. Et ça sera aussi bête que ça. Voilà. Donc là vous pouvez voir, normalement il y a tout qui est dedans. Là on n'a rien dans le coffre. Et du coup voilà, ça sera aussi bête que ça. Et le but c'est vraiment d'arriver du coup pour les challenges à arriver là le plus vite possible. Yes. C'est pas extrêmement compliqué. Next. Restart. Yes. Et là, vous pouvez voir, il manque des roues. Alors, on va prendre le véhicule. Tac. Comment on met des roues dans Scrap Mécanique? On va récupérer, du coup, un roulement. Et quatre roues. Voilà, c'est simple. Je sais qu'il manque un roulement là. Là, il y a tout. Il manque juste des roues. Voilà. Et nous, ce qu'on va faire, c'est vérifier si ça tourne bien dans le bon sens. Oui. Donc, normalement, si je fais ça, que je monte là. Non. Ah. Je suis censé pouvoir tourner du bon côté, oui. Bah, parfait. Oui. Voilà, mais vous avez vu, hein, c'est un jeu assez sympa, au final. Alors, bien évidemment, ce jeu n'est pas limité à cœur un challenge. Si vous voulez vraiment vous amuser, vous avez vraiment la partie challenge. D'ailleurs, là, il nous donne un véhicule. Pourquoi il nous donne un véhicule? Ah, voilà, il n'est pas. Les roues avant ne sont pas reliées, donc il va falloir relier ça. Vérifier que tout tourne correctement. Vous voyez que si je tourne à gauche, ça tourne à droite. Si je tourne à droite, ça tourne à gauche. Donc, il va falloir modifier ça. Et là, non, je suis censé pouvoir continuer. Le compteur commence, comme vous pouvez voir, dès qu'on sort de la zone de fabrication. Voilà, voilà. Comme vous pouvez voir, au début, ouais, c'est assez simple. Il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. Et c'est principalement apprendre les bases pour les tutos suivants. Voilà. Donc, nous, on va relier. Alors, petit conseil, ne faites pas ça directement, parce que le moteur, par défaut, il tourne tout le temps. Reliez-le d'abord au siège, puis reliez-le aux roues. Voilà. Maintenant, on vérifie que ça tourne dans le bon sens, parce que sinon, on va pas avancer, on va tourner en rond. Et, on va peut-être booster un peu le truc. Voilà. Et on va y aller. Hein, les amis, on va y aller. Ok, bon reset. On va réduire la vitesse du moteur. Vous voyez, déjà ça commence. Hein. On est, je sais pas auquel, on doit être au 4 à peu près, je pense. Je commence déjà un petit peu à galérer. Galérer, c'est juste la gestion de la vitesse qui est une des bases du jeu. Mais qui est quand même importante. Restart, yes.
Alors, ah, là, il nous manque carrément l'avant du véhicule. Donc, l'avant du véhicule, au final, c'est assez simple. Hein. Il va nous falloir 4 roulements, des blocs, et ça. Ce qu'on va regarder, c'est qu'est-ce qu'on a à faire. Ok, donc ça, ça devrait être assez simple. Vous pouvez voir que je peux monter, descendre le lift. Donc, c'est vraiment, au final, un jeu assez simple à utiliser. Hein. Voilà, tac, tac, tac. L'avantage, c'est que comme on est en créatif, on a un bloc limité, ça nous permet vraiment d'aller chercher nos idées, enfin, au fin fond de nos idées, pour vraiment réussir le challenge. Alors moi, je sais déjà construire quelques véhicules, donc ça aide un petit peu, j'avoue. Je sais que par défaut, si on fixe des trucs en avant, faut tout le temps tourner ça. Mais... voilà. D'ailleurs, oui. Ah. Donc là, si j'avance. Voir aussi qu'on a un frein moteur quand on utilise un moteur essence. Qu'on n'a pas avec un moteur électrique, puisque les moteurs électriques, eux, vous verrez, ils ne font que avancer ou reculer. Hein, il n'y a pas un système de gestion de la vitesse. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Là, il va falloir monter. Pour monter ce genre de pente, faut utiliser un moteur électrique. Reset, s'il te plaît. Yes. Il va falloir utiliser un moteur électrique, du coup, qui nous permet justement de franchir des murs comme ceux-là. Voilà. Donc c'est assez pratique au final. Vous pouvez le poser là directement. On n'oublie pas le fait de relier, bien évidemment. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est les roues avant. Et pouvoir qu'on peut en connecter, vous allez voir. Je crois pas qu'on puisse en relier plus. Ah, si. Alors, par problème de... Pour tourner, à mon avis, on va juste faire ça. Ça ira très bien. Puis, on va régler la vitesse à peu près à la moitié. Et on va y aller. Voilà. Mon véhicule tourne. Pourquoi il tourne? Parce que j'ai pas tourné ça. Voilà. Et vous pouvez voir que du coup le véhicule, il monte à peu près tout. Et voilà. Alors, on va juste quand même speeder un petit peu plus le véhicule, hein, les amis, on est d'accord. En vitesse max. Voilà ce qui se passe, si on met trop de vitesse. Du coup, peut-être pas, on va baisser un petit peu. Si on va trop vite, le véhicule ne peut même pas monter, ou même pas vous imaginer qu'il monte. Voilà. Donc là j'ai réussi, on va quand même assez vite. Parce que le but c'est quand même d'aller le plus vite possible hein, sur ce jeu. Reset. Vous voyez, je commence déjà à galérer hein, pour la gestion de la vitesse. Pourtant, il n'y a rien de spécial. Juste. Ouais, je vais peut-être fixer ça derrière, du coup. Comme ça, ouais. Comme ça, les petites roues vont pousser le véhicule. Et
on va pouvoir monter tout en haut. On va y arriver à passer à l'étape suivante. Hein. Donc les amis, voilà, juste pour vous informer, je fais cette vidéo là pour une simple bonne annonce. Si je vois que ce jeu vous plaît et que j'ai pas mal de likes sur cette vidéo, d'ailleurs je vous invite à en mettre. Restart, yes. Je vous invite bien gentiment à mettre un like si cette vidéo vous plaît. Si c'est le cas, bien évidemment les amis. D'accord. Pourtant c'est les mêmes. Bon, pas tout. Voilà. Donc, bref, si cette vidéo vous plaît et que je vois qu'elle vous plaît, je continuerai bien évidemment les challenges de scrap mécanique. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Comme vous pouvez voir aussi, si on reste appuyé, du coup ça laisse la possibilité de faire ça. Voilà. Ça sert pas grand chose hein, entre nous, hein, ça sert pas grand chose. Alors hop, on va récupérer des blocs. Voilà. Ouais, non. Il va falloir aussi que je puisse tourner avec le véhicule. Alors je fais juste un petit vite fait un véhicule pour tester. Étant donné que je sais plus ce qu'il faut faire hein, les amis, comme je vous ai dit. Ça fait maintenant quelques temps. Et vous pouvez voir d'ailleurs qu'on peut faire ça. Et du coup là le moteur il va pas faire grand chose. Donc lui, on va le monter là. Là, je t'ai dit. Et lui, on va le monter... Non, déjà, alors, voilà. Étant donné, comme je vous ai dit, les moteurs électriques bloquent le fait de tourner les roues, on va relier comme ça. Voilà. On va faire tourner. Et on va tester vite fait notre véhicule. Alors comme vous pouvez l'entendre, je sais pas si vous l'entendez, on entend le véhicule qui tourne parce qu'il y a des bugs. Hein. Voilà. Reset. C'est quoi restart? J'ai peut-être une autre idée. Tac. Et je crois de toute façon les amis on va s'arrêter là. Je fais cette map là et on va s'arrêter là. Vous allez me dire sûrement pourquoi. Parce que j'ai envie et j'ai pas envie de vous blinder pendant 20 minutes de scrap mécanique.
Hop, on relie là, on relie là. On tourne ici. Et lui, on le relie au siège. Donc, il avance pas parce que j'ai pas réglé la vitesse. Voilà, donc nous on va bien se placer. Hop. Voilà, on profite de nos roues qui accrochent bien. Et de là, on va pouvoir. On peut pas. Ok, donc reset. On va juste changer la vitesse de nos roues avant. En les mettant par là. Voilà. Voilà. Donc normalement ça devrait fonctionner correctement. On devrait arriver jusqu'au bout. Voilà. Et on a réussi, les amis. Alors, les amis, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous voulez voir plus de scrap mécanique sur la chaîne. Bien évidemment, je ferai aussi du Minecraft, hein. C'est juste que je prépare quelques projets, et voilà. Donc les amis, n'oubliez pas, le build, c'est bien, et bye bye tout le monde!